premier jour du mois de novembre 2024. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs à Canal Congo Télévision, auditeurs, il y a 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa, Tokutani, la dernier numéro, il y a semaine, il y a émission Nabino, rendez-vous des auditeurs, émission où il y a une possibilité, il y a Kobenga, il y a Kopesa, Makanis Nabino, il y a Kopesa, Baide Nabino, na makamuzali koleka na mboka na biso Congo pete bato yo bazali ko diriger biso bako ka kozwa makanino ya balamu ba meka ko aplika ngo justement pour na mbongwana to changement et kota na ba différents secteurs à vie nationale en République démocratique du Congo bazali de partout hein bobesa ko na rendez-vous des auditeurs na 24 communes ya capitale Kinshasa Bandalungwa Kitambo, Matete, Massina, Ngaba, Selemba, Bumbu, de partout, au Bozali. Vous allez prendre rendez-vous des auditeurs, Naba Enyon, Sobolanda Kabiso, Libanda, Yamboka, Naba différentes provinces, grâce à fréquence Nabino Radio Liberté disséminée à travers la République, Libanda, Yamboka, Na France, Na Canada. Na Londres, vous allez prendre Nabiso en direct sur YouTube, CCTV Ralique. Officiel, Tozali Nabino, Pona, Tolobela, Mboka, Nabiso, au Congo. Trois sujets à l'ordre du jour. Il y a débat, il y a Mokolo, il y a Lelon, Tolobela, Makambetali. On va s'interroger sur la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda de Yoweri Museveni. Est-ce qu'il faudra continuer de croire à cette coopération entre la RDC et l'Ouganda. Faut-il croire à la sincérité de l'Ouganda, de Yoweri Museveni, justement, pour qu'on resterait paix à l'est de la République démocratique du Congo, pour traquer les éléments négatifs de ZADF. Félix Tshisekedi était avant-hier en TB où il a échangé pendant quelques heures avec son homologue Ougandé, Yoweri Museveni, bien avant. Hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a silaki qu'on prononçait discours naïe Mokola Lobi na Bujumbura au Burundi. À l'occasion, il y a 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement, il y a Komessa. Le président de la République a lobbyé. Il est pratiquement impossible d'aborder question aux Ezali Kota la prospérité sans parler de la paix sur les continents. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda, a fait savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'assistance. Mais comment jugez-vous la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda? Bosile Koueba était la première ministre, Judith Suminwa était devant la représentation nationale, Mokolo Yalobi, donc n'a pas les du peuple, Oasile qui co-présenter le projet de loi de finances exercice 2024 après débat et délibération. Le projet de finances exercice 2024 a été jugé recevable par l'Assemblée nationale et puis ça a été renvoyé à la commission et COFIN pour avis et considération en termes d'équilibre, dépenses et recettes. Le budget, il y a République démocratique du Congo, les années en total, il y a 49 milliards 800 à 46 millions 8 francs en congolais, soit environ des 18 milliards de dollars américain. Et puis aussi bah, ces projets de finances où le budget d'exercice 2024 s'inscrit dans les cadres d'une dynamique d'amélioration d'investissement en faveur
du développement de la République démocratique du Congo, est-ce réellement ce budget Ecosala orienté vers l'amélioration et l'investissement en faveur du développement de la République démocratique du Congo? On va également parler de cette commission qui a été mise en place au niveau de l'Assemblée nationale après les rapports présentés par la commission ECOFIN sur les dépassements budgétaires dans Makambo Italy, loi et reddition des comptes exercice 2023. Est-ce qu'il y aura des sanctions après résultat? Il y a une enquête que vous allez mener, tout travail minutieux que vous allez mener par cette commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. On en parle ce matin avec vous. Rendez-vous des auditeurs. Vous allez la première émission, Nabino, téléspectateurs, vous allez nombreux. Il y a Colandabiso, Mikolo, mais également avec nos invités. On a un invité déjà ce matin avec qui on va échanger sur ces questions. Il s'agit des Floris Béa. Lui, il est secrétaire national en charge de communication de l'ASBL Kabila Forever de Floris Béa Motena. Oui, merci beaucoup, mon amboka. Maxime Makabu na pesi mbote na pesi bongo mbote na ba kongole nyoso bazwili bakuya Hollanda biso na tongo ya lelo na pesi également mbote na l'autorité morale Joseph Kabila Kabange ndenge bomoni esima na ngai l'autorité morale. Oui vous allez introuvable. C'est ce que disent les gens de l'UDPS. Ouais. Je pense que tu n'es pas de ces genres. Il y a bateau et on va réfléchir ça quand on a balabala. Joseph Kabila est bien, bel et bien là où il est. Vous connaissez très bien. Il est en train de préparer son thèse et il va revenir comme professeur des universités à Goyape Kotangisa. Oui. Aoya pe otangi sa place nga natanga. Aoka so nite. Na université. Aoya ka so nende ni ni professeur mingi te. Non. Alinga ko lobate makambo ezanga tina. Cette fois-ci, il va parler la science. Et quand il va parler la science, ça sera bénéfique pour les étudiants et pour le pays également. Ça sera bénéfique pour les étudiants, par ricochet, la République démocratique du Congo. Joseph Kabila est à l'étranger pour préparer donc sa thèse 082-33-33-749. Ça, ce n'est pas le numéro d'appel de les réalisateurs qui nous bombardent avec un numéro qui n'est pas le numéro des rendez-vous auditeurs. Les gens peuvent se tromper. Même le cash n'était pas les cash des rendez-vous des auditeurs, monsieur le réalisateur. Donc 082-33-33-749, un des numéros au Gabusso, Nabanda Konabino. Namitoukanabino, vous allez Kolanda, rendez-vous des auditeurs, comme d'accoutumé, une minute à sujet isolé, n'a chaque invité, j'espère pas que Moron Djabé, à Kenege Bakadi, Théo, même les caches de l'émission à Moussani, n'a numéro à l'émission à Moussani, mais il est devant l'écran. Moron Djabé. Voilà, vous avez une minute de sujet isolé de Kofloribéa. Oui, en fait, ici j'interpelle d'abord les gouvernements. Ma conseiller municipaux, tellement que Bazana salaire était, il commence à se construire le paradis dans leur pensée. Oh. C'est-à-dire quoi? Ba conseiller municipaux, Nzala et komi ko leka. L'autre fois, tout le monde a bango côté à primature, ba keko la la ba obiso ki le robo fouti biso te to gozo nga banda côté. Pour eux, babanda ko kanisa ke ba gozala na même qualité, na ba député provincial ou provinciaux, également na ba député national. Il est élu au même titre que le président de la République, député national et provinciaux. Justement. Oui, par la population. Mais tellement que bazana mbongoté, na ebite soki na budget oyo ba che bango na kati ya ligne. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ba komi ko luka komi lié sa bango moko. Et comment est-ce que bakoki komi lié ça, bakomi ko créer ba problème na ba commune oyotoza en particulier ou ensemble ko ba bakomi ko créer ba problème na ba bourgmestre. C'est-à-dire quoi? Ba conseiller communal bakomi ko luka ba sala ba mention contre ba bourgmestre, or bazana qualité té parce que ba bourgmestre bazala ki nommé par le président de la République. Et puis, bango ba conseiller municipaux, bazana qualité ya kosa la mention te parce que bango te batou ba elisaki ba bourgmestre. Et maintenant, je parle ya ka oyo na bandaka ko dénoncer awa,
ya commune ya Matete. Je vous avais dit l'autre fois que na commune ya Matete, fourrière ya commune ya Matete ezalaki soki ezui mutuka ya batu et ke na ngobo mituka na bazoteka yango. Bateka mutuka ya batu. Ya batu bakandaki koteka yango. Et maintenant, la personne qui était placée là-bas, na kotanga kombo na ye prochainement, il a été ancien membre ya Nouvel Élan. Et Lelo Oyo Azali, confrère Nabino, journaliste. Prochainement, il y a un combo naï. Nouvel Élan Adolphe Mozito. Ancien. Après, le Mwekuna, Nouvel Élan. A commandé journaliste, Azali journaliste, en mimo na kaloko la, comme si les super chéris ya commune ya matete. Bakanga ka yo na 4e rue. Oh, chité, ouais, nazo chité plus rapidement. Oui, rapidement. Elle bakangi yo na 4e rue, c'est vrai, le bourgmestre Gilles Mukumbi. Azalaki na Clémence pa bimisande koana. Mais maintenant, Kobima Abini, na mususu Azali avocat, azape communicateur ya union sacrée. Qu'est-ce qu'ils font? Baye oye avocat aye ko oblige bourgmestre ya commune ya Matete ke achaye na projet na bango oye soki ya kishase zo bonga. Pona assainissement ya Matete yenda za la coordonnateur nango. Bourgmestre aye bi servi non monsieur. Nate mutu nazo nomé Batu comme base à la banque coordonnateur ya projet qui chasse de bonga na ba commune. Il faut que nekota la ville. Alobi non, lui n'est avocat, ayebani aza communicateur, alekaka na ba plateau ya ba télévision, azana opinion, alors il faut azana asale ni trafic de fiance, alors alobi il faut passer à la pétition pour que le bourgmestre ya Matete salanine akende. Oui. Je suis tout à fait d'accord, conformément à l'article 27, constitution Abisso. Mais le valeur, le contenu de la pétition, est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les deux anti-valeurs au Ebazana commune et à Matete, voilà. L'autre, un ancien arrêté par rapport à la vente, à Mituka. Il y a frustré parce qu'il veut se faire coordonnateur. Il y a projet où il y a responsabilité à ville, à Kinshasa. Et bah, comme il se met trouble dans la commune, il y a Matete. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que le service attitré a pu se saisir justement dans le dossier pour ramener de l'ordre dans l'administration justement dans la commune. Il y a Matete. Les Raïs international, Jimmy Carter, l'homme du chef qui nous suit depuis la commune de Bandalouma, Banabandal, Nyoso, Bazali Kolanda, rendez-vous des auditeurs. Voilà, Ato Fongoli, Masou Nabissou, avec. J'aimerais d'abord que vous puissiez placer un mot dans cette opération qui a été lancée dans la phase expérimentale. Le circulation alternée n'a sens cynique. Il y a un véhicule. J'ai comme l'impression que ça produit un peu de le résultat. Ils allaient encourageant. Il y a fluidité. Ndeko Maxime, nous connaissons très bien que la solution, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mais la solution, ils allaient kobongisa banzela. Ce qui banzela est praticable au moment na mutuko ki maliboulou parce que les embouteillages na makambu ya basans unique la majorité est dit na ndenge banzela est mabé. Batu ebele oyo bakumba ke également yo pe oza mukumbi tu marches quand même na mutuka na yo. Okuzo ki mabanzela oyo esengeli pourquoi parce que banzela n'est impraticable. Par exemple, la majorité a mis tout cas et Kendagalisou Sundela ya boulevard Kassavou Bouté. Bawang Latanyo soit impraticable. Kabambar est impraticable. Bokassa est impraticable. Boye Bisabiso Sundela nini ya malonga ou mituke kotambola. Mais maintenant, ba chauffeur Sko va komi na incapacité ya ko se suffire par rapport ya Nzele komi mouke, mituke za ebele. De ce fait, comme ils ont même mutuka oeza nene nzela oeza na sens unique ou bien zaka na sens moko ya départ na voluka ko kima banzela o comme impraticable ba comme ko kota c'est vrai na nzela oeza a sens unique mais la réalité c'est que ko kota na sens unique wana e créa ka accident vous connaissez y a mi balé e créa ka blocage ya nzela justement e créa ka blocage ya nzela et de ce fait
Au même titre que vous avez pris la décision qu'il faut bien sûr saluer, mais c'est une décision où résultat moro éphémère. Mais le problème, je dis ceci, je suis tout à fait d'accord et j'ai toujours été contre cet antivalère. Il n'y a aucun de nabassan cynique parce que la majorité a battu bakenda nabassan cynique. Et zali ba député, ba ministre, ba dignitaire yambo kanabiso. Mais le problème ici, ezaka kabab fongi sabanzela. Raison pour laquelle moi je n'ai jamais été d'accord. Na DG ya OVD. Na ébité et je mets en défi batounyonso. Batenge la lanzela moko. Est-ce que vous parlez de... Est-ce que le gouvernement a pessié ba moyen pour réhabiliter ces différents tronçons? Ce qui gouvernement, le problème c'est quoi? Vous êtes nommé sur base d'un objectif, a détourné d'un idéal. Mais ce qui est Batcheyo, je l'ai toujours répété, ne comadim, Batcheyo place à eux, même ce que tangi loi de travail, balobi, ce qui Batcheyo mutuna musala, il faut que ma condition et misa les à la réunie. Dès lors que Batcheyo place à mon corps, au sala musala, et qu'il n'y a pas de moyens, il faut dénoncer. Ceux qui ont dénoncé et que Monique est aussi mbatté, il faut que ça la nîmes qu'on l'ongwa. Mais ceux qui ont Monique est moutazo l'ongwate, à ce qu'il y a ma place ouana, c'est-à-dire qu'il y a du miel. Merci. C'est-à-dire que place ouana est au fouta. C'est-à-dire que place ouana est à bénéfique pour naïe. Raison pour laquelle M. Toumbachi qui est là, Bamakadam Nyon soit tonga, n'a tché en défi tout le monde, et lui-même, je le mets en défi. Aya. Amenana Makadam, je l'ai dit sur base à la connaissance à Makambounazo. Vous pouvez nous apporter les images parce qu'on est à la tête. Nalobi Boué, Balanga et la Moko, Makadam Moko, où a tombé ça les plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Exacté. Exalité. Exacté. Non, ça a plus de 3 ans. On a maintenant, on utilise maintenant une nouvelle méthode de bétonner hein, le Makadam. C'est au moins, ça a duré, il y a plus de 3 ans. Je parle de M. Toumbachi qui est là, qui est le DG, il y a OVD. J'ai dit, j'en ai un lobby en haut sans avoir honte d'être contredit. Mbou la Pezoya, même Mbou le Zoya, n'a lobby et le Zobeta déjà. Bah, Kanivo Nabiso, il faut ça là, normalement drainer. Et c'est la responsabilité de la ville et de l'OVD. Mais OVD a mis son côté ni au bazo drainé. Mboula ya bandeli à septembre, tout comme il a donné na 10e mois, ce qui est 11e mois en haut. 11e mois en haut. Mboule matake comme agalisou sur ma casse, le katito comme en décembre. Ba inondation. Il faut prendre des dispositions. Ba ya ba prince Nyon Sohana, c'est la faute du DG incompétent. Azali DG la OVD. Merci beaucoup. Donc, il faut toujours penser. Même dans l'entreprise privée, où ils ont marché à Kotonga Banzela, il faut que tu aies l'entreprise où ils ont fait ça. Ils ont l'expérience. Et ton place Nini, et l'opinion sur là, ce sont des problèmes qu'il faut chercher à résoudre. Et ça, il y a l'État, c'est pas. Je dis également les privés. Je n'ai pas parlé seulement de l'État, le privé également. Bazapena Banzela, Batronso, Moussousou. Merci beaucoup, Ndeko Flori Béa. On va parler politique. Présentement, coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Malgré les scepticismes au Batomususu, Bazali Nango, par rapport à Tsang Banekomo na Ouganda, du fois Bazali Komo na Rwanda à travers Ouganda, Ouganda à travers Rwanda. Mais aujourd'hui, le chef de l'État croit à l'espoir que non, à travers cette coopération, aujourd'hui, il y a des opérations conjointes FRDC, UPDF pour traquer les ADF. On va parvenir à nos objectifs et en termes d'éradiquer justement ces groupes armés en comptant avec l'Ouganda, on a un ennemi commun, ADF, qui sème terreur et désolation en Ouganda, mais également en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à travers cette opération en conjointe, est-ce qu'aujourd'hui on peut croire? Parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à Salaki, en TB, où il a échangé longuement avec son homologue, aujourd'hui, croyez-vous que nous devons continuer dans cette coopération entre la RDC et l'Ouganda, croire à la sincérité de la personne de Yoweri Museveni, ou bien carrément mettre un point ou marquer une rupture? Oui, en matière de coopération, bah, signation Nyonso,
y a un accord bilatéral pour le pays et ça signe un concert d'État. Il faut que ça ait un impact en termes de faisabilité ou en termes d'évolution ou de ce que ça a été et ça a été. Mais maintenant, allons dans le sens il y a IPDF dans l'Ouganda, dans RDC, FRDC. Cette coopération militaire est datée les lots de 4 à 5 ans, si je ne m'abuse pas. Dans 4 à 5 ans, les ADF Nalou, l'Ouganda a réussi à faire des choses dans le sol, nabango, mais biso na ngambu na biso nous sommes incapables ya kosala nini ko bengana bango na mabele na biso. Le IPDF ezalaki na objectif moko. Objectif o bazalaki nango ezalaki objectif ya kolongola ba force du mal na bangomba nyoso o babatama ya ba Masisi na bakoya ya ba Rutshuru ba kote ya ba Bunagana na ba mboka nyoso o bazalaki par rapport ya ba bombardement o il fait salema Babi mana bazamba et puis to encercler bango poto kanga bango. Malheureusement, depuis coopération militaire au Salema entre Bissona ba IPDF Tilelo, je ne sais pas, peut-être vous avez les informations contraires, mais je pense que Ezali échec total. Ça produit les effets et de produire ba effet pour preuve Bunagana Ezali dans frontière pas avec le Rwanda, mais plutôt avec l'Ouganda. Mais Bunagana, où est la frontière avec l'Ouganda, ne place Oyo M23, na a, AFC ya Corneille Nanga, bah, même administration na Bango, bah, on percevoir même ma taxe. Mais maintenant, tel est le problème de Koutana qui est en Rwanda. Tel le comportement à moi, dans Museveni. Je vais venir. Oui, oui. Je vais venir. Après, c'est des choses. Je vais venir. Le président de la République, le président de la République a toujours exprimé l'espoir partout à Kendaka. Il s'est concrétisé. A exprimé toujours espoir d'ici Kanyo soit Kendaka. Mais le problème, c'est que, des fois, on a exprimé l'espoir partout à Kenda, résultat zéro. Mais maintenant, tel le comportement à moi, à Museveni, à l'obéir à bien que vous touchez à Kagame, qui est mon oncle, moi, personnellement, je ne suis pas là, je ne suis pas attaqué. Pendant que nous sommes en coopération militaire entre les IPDF et les Ougandais, nous sommes RDC et FRDC, mais moi, je suis pas préparé pour que ma président remplace papa, je menace à Bissou. Yami Balé, l'Ouganda, tous en avant on a aidé, on a EAC. Et après, il avait présenté ça. Parmi les militaires, au Bayaka, pour battre la zone à Tampo, il y a eu des militaires, il y a Kenya, il y a eu les militaires ougandais, il y a eu les militaires rwandais, il y a eu les militaires, il y a des pays six membres au Ezaya EAC. C'était quoi le résultat? Résultat zéro, une fois de plus. Mais les lots Oyo, encore une seule fois, le président de la République oublie que le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est également l'Ouganda, parce que ça a été relevé par Vital Kamerhe, la prise de fonction en tant que président de l'Assemblée nationale. Les pays qui nous font la guerre, le Rwanda, également le pays ennemi, c'est aussi l'Ouganda. C'est vrai, on n'empêche pas au président de la République de voyager comme il veut. On n'empêche pas également. Nous, on n'a pas seulement besoin. Il y a aussi l'Isamakambu, Naba Adef Nalu. Le problème pour nous, c'est la paix totale à l'est de la République. Et les gens qui nous font du mal aujourd'hui, c'est l'AFC de Corneille Nanga, c'est le M23, c'est l'ADEF. Parce que les ADEF, ce ne sont pas des Congolais. Il faut de retenir Yango. C'est les troupes, troupes armées à Congolais. Et les troupes armées à Ougandais. De même, nous avons des problèmes dans notre pays. Également, les Ougandais ont un problème dans le Kanabango. Mais pendant que Bissot est incapable de signer ça, Bissot est en haut, et il profite de peut-être, je peux dire, il y a manque de connaissances, il y a régime en place. Ils ont profité dans l'eau. Nabakombo a malamu que les accords, nous allons faire ça, nous allons passer par ceci ou cela. Mais il n'y a pas de résultat, palpable, Nambopo, Namakambo, Oyo et Zaleli. Donc, je pense que le président de la République,
doit se concentrer et miser de toute son énergie pour la mboka na biso. Il faut miser ba moyen au essentiel pour la paix. Il y a que la paix na na NTB. FRDC na biso, nous avons la SADC qui a été sincère avec nous. Sami RDC, na lobi boye. Tozana SADC. Ce qui tozana posa ya ba force, ba ya. Allons-y même na ba sud africain. Bazali déjà. Tokende. Tokende. Même na ba à l'époque il y a Joseph Kabila. Tokende na ba ya Moïse Laurent Désiré Kabila à son époque tout le monde a Malawi. Mais avec des résultats. Mais ici nous sommes dans en train d'assister dans un discours moko judicieux. Et puis Bazali est ici de ba dit que président Abisso a lingaka mingi ko lokwa. A lingaka ba bon discours. Ba dit que ceux qui te yambié il va faire le discours pour donner de l'espoir. Mandat, il n'y a pas de résultat. Merci beaucoup, Ndeko Floribé. À toi qui n'est pas malembe, malembe. Au début, tu étais seul. Face à toi, il y a un autre débatteur, Ndeko Christian Temeteme. Lui, il est de l'Union Sacrée. Ndeko Christian Temeteme, le conseiller volontaire du chef de l'État, sans salaire, du bureau, pas de prime, mais il continue à défendre quand même le chef de l'État. Ndeko Christian Temeteme, je vous salue. Mbote mwana mboka Maxime, mbote na ndeko nanga Floribé ya. Mbote na bakongomani nyonso bazuli bako Hollanda biso, apesi mbote mingi na vice gouverneur ya vi province ya Kinshasa, bokula kaidi yeli molangi. Olimbi se pona mwa retard. Indépendamment la volonté. Mais fluidité zali. Na ebisio, mbote azuli kanisi ya kokomisa poalo sans sinik nzamba pambolaye. Avant Moulaye. On dirait ça édité. Non, non, non. Ça dit tout le Kinshasa, il n'a pas édité. Le ministère de transport. Oui. En tout cas, après si ben je suis dans la commission nationale de l'invention routière. Et tika la libella sans signe. Et puis l'ombe au bâti, on a la baramoto, c'est vraiment un soldat intègre. Au camion à banque, zonga. Au camion carburant, zonga. Oh ya masanga, zonga. Azo kangate, zonga. Ça c'est l'idée. Mais ça qui a dit, je vous dis, j'ai eu du mal, mais elle n'a niati baramoto. Ah, je n'ai même pas fait 5 minutes. En tout cas, l'ongo n'y a la moto, azo qui le canis. Même Mulleri, comme ils ont dit, je vous dis. En tout cas, n'a pas fait le problème. Je vous dis, en tout cas, Motazui, le canis, on a vraiment le coup, il a qui dit. Oh ouais, le coup, elle rapproche à Jean-Pierre Bé, Mayem, Tébissé, Jean-Pierre. Voilà, merci beaucoup, de Christian Tébété. On parle de cette coopération entre l'RDC et l'Ouganda. Tu sais bien que Mokozambo Kazaki n'a en TB. Il a longuement échangé avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Il a parlé de la paix, rien que la paix, dans l'Est Yambo Kanabis. On a un ennemi commun qui se présente, les ADF. Aujourd'hui, vous allez vous croire la sincérité. Est-ce qu'il faut continuer aujourd'hui la coopération entre les deux pays, malgré qu'il y a différentes langues au Bazali Koloba et le Rwanda, l'Ouganda, c'est blanc bonnet blanc. Que penses-tu de Christian Temeteme, mais par rapport à cette coopération, tu continuer ou bien tu marquer rupture? Une question importante politique comme ça, Obengi Mutawa Sibel. Voilà pourquoi il ne comprend pas. Démarche à chef de l'État. Alors, parce que c'est purement politique. Fakolo Kabale Père, Koubangi, là, Mele, vous, les opposants. Opposants à la partie politique. Lié Azali Asbel. Ah. Voilà pourquoi il ne comprend pas. Mais là, l'autorité morale, c'est voilà. Kabila. Voilà. Autorité morale, il y a. Kabila, c'est la politique. Et moi, Mboka, la vie internationale et la politique publique internationale, les ennemis d'aujourd'hui, peuvent devenir les amis demain. La politique internationale, balobaka après la guerre, ce sont les affaires. On ne doit pas dire parce que le Rwanda est complice. Tshisekedi ne pouvait pas aller rencontrer Museveni. Mais ce que ça dit dans le cadre, il y a démarche, il y a recherche, il y a paix. Ce qu'a créé pour la consolider la paix. Avec notre agresseur, où est le problème? Avec celui que nous soupçonnons, où est le problème? Qui n'est pas complice dans Oye Kolekana Est la République démocratique? Commençons par les États-Unis. Quand le chef va aux États-Unis, c'est pour aller vendre les pays. Il était en France. Qui ne sait pas le rôle que l'Union européenne joue dans cette histoire de Namakambo Est la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut tous s'isoler, il faut tous s'enclaver, tout le cas, et tout comme absent la chiquier internationale? Non. Ça, c'est une façon paroissiale
de réfléchir et de présenter les problèmes aux Congolais. Dans la diplomatie de la guerre, il faut aller vers l'ennemi. Vers l'ennemi. Il faut le rencontrer, il faut lui parler. Le comprendre, le connaître. Le comprendre, mon frère. Solution que qu'on se trouvait quand en deux, na quatre yali solo, tu peux se comprendre. Guerre mieux sur tout le monde en amont et soukana mesa. Guerre mieux sur tout le monde et soukana mesa. Il faut regarder les armes et tikalate côté la guerre de manière définitive. C'est toujours na mesa. Et démarche chef de l'État comme ça là, c'est une démarche où tout président responsable du monde doit faire. Où est le problème si Tshisekedi prend son avion, il dit à Yoweri, mais nous sommes africains, nous sommes voisins, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est le problème là-dedans? Le problème est qu'il faut être outillé et comprendre la démarche à chef de l'État. Il y a une crise entre États-Unis et le Japon. Oui. Tu n'as pas vu le président américain là? Na Nawazaki, na Hiroshima, ainsi de suite. Il y a une crise entre Irak et les États-Unis. Tu n'as pas vu les présidents américains à Irak. Il y a une crise entre la France et la Grande-Bretagne. Ils ont construit un pont. Il faut être progressiste. Il ne faut pas être paroissial. Il ne faut pas être local. Il faut s'ouvrir au monde. Donc, au-delà, il faut aller vers la solution. Au-delà de... Il faut aller vers la solution. C'est le Rwanda, nous sommes avec eux. Oui. Le processus à Rwanda, qui aboutit, qui évolue. Mais avec l'Ouganda, si le chef de l'État a choisi l'héroïsme, du tête à tête, parler d'homme à homme, il n'y a pas à reprocher au chef de l'État. Qu'est-ce qu'il ferait ici? Si ici nous sommes tous, nous dénonçons l'hypocrisie de l'Ouganda. Quoi de plus mauvais lorsque tu sais qu'il prend son avion pour aller comprendre son homologue et Ouganda Yoweri Museveni. Mais je n'ai pas de problème. Et le chef de l'État le sait aussi, que Museveni c'est un hypocrite. Mais n'engayé mon comme quand tombe là le baka, bato funa kena ba roti na souka. Donc on n'a pas à reprocher à Tshisekedi le fait de prendre son avion, d'aller rencontrer celui que nous disons. D'ailleurs, il fallait saluer son courage. Donc tu dois marquer rupture, D'ailleurs, pas question de rupture. Si, il y a une opération avec le peuple makambuya est, il faut to banana politique. Agitateur de l'opposition, la RDC sera isolée. La RDC sera isolée parce que tout le monde est contre. Tous ces ambassades ici que vous voyez, européens, américains ici, ils sont complices. Ils sont complices. Le Rwanda et les Ougandais, ce sont des marionnettes utilisées par ces grandes puissances. Pour faire du mal. Pour faire du mal au Congo, pour piller nos richesses. Qui ignore que la guerre à l'Est est la guerre économique? C'est pour des raisons économiques. Qui ignore? Je comprends. Voilà pourquoi Kabila est resté bras croisés. Il y a eu des marques. On ne peut pas être essayé. À Salim Jusut, encore président de la République, à l'époque, il était capable de s'habiter à l'école, à l'université, pour l'Afrique du Sud. Ça, c'est nous insulter, franchement. Kabila doit être effacé dans l'histoire du Congo. Il faut que ça ait été thèse dans l'IPC. Ma tête a fait sa thèse ici. Il faut que ça ait été thèse dans l'IPC. À l'UPEN, ainsi de suite, ça se fait diriger. Ça prouve que Kabila est parti, il a détruit le système de guerre. C'est vrai, Congo. C'est pas si mon rôle de défendre. Non, mon frère. Quand il devait faire ça à la publicité, tant Kabila, c'est quand même une personnalité connue mondialement. L'ancien président congolais a défendu sa thèse à l'UNIKIN. Le Colombien n'a pas Sarati. C'est bien. Il a défendu sa thèse à l'IPC. Nous connaissons la caméra au monde entier. Et on est côté à l'IPC, l'UNIKIN, ainsi de suite. Donc,
pour. Il ne pouvait pas. Il nous a insultés, franchement. Il a insulté même nos diplômes. Merci beaucoup. En conclusion, il faut saluer. Oui, l'action, il y a Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Pas question de rupture. Il faut aller. Mais on est de son anniversaire. La politique, il y a rupture. Neko, Ukraine n'a reçu. Basé à la table. Oui ou non. Tu ne vois pas Blinken ainsi de suite qu'au Tambola pour nous localiser solo entre Hamas, Israël, Iran. Israël. Basé à Koko solo là. Ce n'est pas mauvais. Sauf que tous les moyens sont bons. Pour vite qu'il y ait la paix à l'Est. Merci beaucoup. Donc, Christian. Témé de l'Union Sacrée, on va parler de ces projets de loi, des finances, peut-être malgré que c'est déjà envoyé à la commission PAJ. Hier, il y a eu ce débat général au niveau de l'Assemblée nationale, après la présentation de la première ministre Judith Suminwa à Toulouka, un budget qui s'élève aux recettes, dépenses, équilibre à 49 milliards francs congolais, donc environ 18 milliards de dollars américains. On parle d'un surplus à hauteur de 18 à 21 %, un budget qui s'inscrit dans une dynamique d'amélioration et d'investissement en faveur du développement de la République démocratique du Congo, du coup, Flori Béa, est-ce que c'est, ce budget sera évidemment orienté dans ces cadres, dans cette logique où ils allaient dictée par la première ministre Judith Toulouka, d'amélioration et d'investissement en faveur du développement du pays? Oui, merci beaucoup. Mais à chaque fois, l'analyste politique est un parti politique. Je suis c'est-à-dire que convention regroupant la convention des républicains dissoute au Kenya Union Sacrée, je suis de la FPAI, Force Politique et Sociale alliée à l'UDPS. Il est là, il a donné. Son parti politique est là. Moi je le connais comme Moto et Abdalagi Moto. C'est un ancien partenaire. S'il vous plaît. Malembe, calme. On comprend. Oui, oui. Azalaka, Mouto et Abandai, comme me la junior n'embale pas. Non, Malembe. Est-ce que Zamabé? Oui, c'était ça son travail. Je dis ceci, c'est la vérité. Laissez-lui parler. Alomwe Wana, Aye na parti politique na ye, Oeza allié ya IDP Salobeli Yangote, mais Aye Awa, Akomi Golobela Edi Yeli. Même conflit entre les chefs et son vice, c'est-à-dire les gouverneurs, n'a vice na eza bango. Parce que la crise est profite à bango. Alors, dit que Joseph Kabila, il fallait yo sa la thèse awa. Mais moutabunda pour na mboka démocratie, développement et institution, na biso Etienne Tshisekedi, moi na ya tanga api. N'est-ce pas que tanga libanda? Ne quanto na yé la biso alobi que tanga na université libre de Bruxelles. Pourquoi est-ce que Ndeko Antoine, pendant que papa n'aya bandai ko bunda po na mboka ya yaki ko tanga na inikinde? Bazaki en existe. S'il vous plaît, na balaki kalme, moni ne bo jere mboka na des hommes. S'il vous plaît, nanene, Etienne Tshisekedi a kena exil ou nanene. Malembe. Vous voyez, vous devez ramasser les lits de paix. Deuxième élément, nous devons évoluer, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, nous devons la thématique, nous devons recadrer. Deuxième élément. Vital Kamerhe a sali thèse na ya défendre thèse na ye wapi. N'est-ce pas qu'il y a sali on va défendre yango libanda? Et maintenant, awa na plateau oyo, moutou nyon soza libre ya kotan na place wa moni gaza malam, azak à l'aise. Joseph Kabila pouni ko kende kotan na Afrique décide, ce n'est pas le débat kende konanga, il faut même awa. Nous on a eu également la chance ya kende kotan na libanda. Ce n'est pas pour autant ya kolo bake ba université na biso etan na niveau T. Moi je connais Batumusu Batangi na ISSM, ils sont plus intelligents que Batou Batanga na Poto. Il ne faut pas limiter des gens comme ça et nyonso eza complexe et infériorité. Mais deuxième élément, il vous parle ici,
Il y a Ouganda, pour lui, il ne sait pas que tout ça a déjà la coopération militaire entre les FARDC et les IPDF. Est-ce que tu vois ça là, évaluer en haut coopération militaire Nabiso entre les IPDF et le FARDC, tu évaluer en haut. Il y a Moutaza communicateur, il y a UDPS, n'a pas de qualité. Mais c'est comme si c'est UDPS. Alors, bien, ça partie est liée à UDPS. Oui, allié. Qu'est-ce que Alors, il y a IDPS. Aïe Bissabisso, na évaluation et coopération militaire entre Bissot et Ouganda Pessinine comme résultat. Si peut-être, le président de la République a évalué la coopération militaire, je serais d'accord avec lui. Comme il y a la Chine, pour l'évaluation, il y a le contrat chinois. Mais vous allez tout à fait d'accord. Est-ce qu'elle dit que Bounagana est tombé pendant que tu as la coopération militaire dans l'IPDF? S'il vous plaît, pourquoi tu as dit que c'est ça? Madame Moudon, il y a Bidjé, il y a Bidjé. Je vais chiter même dans 30 secondes, on va lever la Madame Moudon, il y a dans 30 secondes. Dans 30 secondes. Tu sais, le problème majeur dans Mbou Karabiso, c'est l'insécurité. Normalement, cette thématique, il fallait te faire de l'année en haut. Parce que c'est ça la base, c'est ça les problèmes. Notre président de la République nous fait signer des choses que lui-même a zo kokalsu kolongwate. Est-ce que tu kokiki koyeba résultat ya parce que Ouganda zawana, il y a eu des militaires ougandais na sol na biso. Il y a eu des militaires kenyans. Le nombre mais on a cessé par rapport à la coopération militaire. C'était quoi l'objectif? On a cessé parce que ça n'a pas amené le résultat également avec le IPDF. Il ne fallait pas tout continuer. C'est ça l'amour de notre pays. Le président nous avait dit que il y a deux options sur la table. L'option militaire, l'option diplomatique. Mais il y a pour l'option diplomatique. Mais aujourd'hui, la diplomatie de notre président de la République ou du régime est allée stérile. Parce qu'il y a 30 secondes. Il n'y a pas de fruits en termes de nini. Moi, je suis Mousseveni à Menasabiso. Mousseveni également tenant à propos, il y a que non, ce n'est pas le Rwanda qui est l'auteur ou acteur, il y a ressemé insécurité dans l'est de la République. N'est-ce pas que c'est Yoweri Mousseveni? Voilà. Mais maintenant, on a chité. Oui, on a chité dans 30 secondes. Parce écoutez. Là, peut-être que Christian Temeté mais pourra nous rafraîchir. Là. On peut nous parler même des 100 milliards de dollars. Est-ce qu'ils allaient orienter dans cette dynamique? On peut nous parler même de 200 000 et dollars. Il y a recettes, 200 milliards de dollars. Ça, les recettes, le budget n'a pas vu combien à 200 milliards de dollars. Mais s'il n'y a pas d'impact sur la société, où il n'y a pas d'impact sociologique. Bidje wana et Zali le rôle à papier à Paris Foot. Tout le monde a le Wekita, tout le monde a salaire, peut-être augmentation salaire. C'est ça. À l'État. Est-ce que vous pouvez d'abord imaginer dans le budget à 16 milliards, budget à 16 milliards de dollars Tozala Kinango, avec un dépassement de plus de 42%. Dépassement, il y a plus de 42%. Oui, Salemaki, 42% y'a budget y'a mon cannabis au bima qui est en urgence. Pour Salem ou Salanine. La dame, s'il vous plaît, comment tu l'as été? Maman Judith, moi j'aime beaucoup de femmes. J'aime beaucoup. Malinga Gaba, maman Mingi. Mais y'a mon Tazalaki, auteur, y'a plan Oyo, y'a PEDEL 145. Ndekonanga Tozalana yé. Na deuxième partie, il y a rendez-vous des auditeurs à l'obi PEDEL 145. Et ça, 90% y'a exécution. Voilà, merci beaucoup. Mais le lot, oh, merci beaucoup. Quand on va débuter la révision de compte, bah, MBC Bissot est PEDEL. Voilà. 145, même pas 15% voilà, d'exécution. Mais pourtant, bon, le bimak à 13%. Donc, le budget qu'on nous parle aujourd'hui, il y a 16, 18 milliards de dollars. Je pense que le budget est à la réelle. Pendant que tout le monde a un impact dans le social, il y a pas de problème. Merci beaucoup, Ndeko Floribéa, Ndeko Christian Temeté, mais Floribéa reste vraiment pessimiste quant à l'aboutissement à tout effet positif. Il y a ces budgets, 18 milliards de dollars américains sur le vécu quotidien des Congolaises et Congolais. Est-ce que Yo Ponayo, après présentation, et puis un projet jugé recevable au niveau de l'Assemblée
national, envoyé à la commission ECOFIN pour avis et considération, mais en croire, les dit à la première ministre Gélite Toulouka, que ce budget sera beaucoup plus orienté vers dans le cadre d'une logique, il y a amélioration et investissement pour le développement de notre pays, surtout sur les volets sécuritaires. Penses-tu que non, Makamwana Okende, vraiment le Légioana? Merci, moi, Lamboka Maxime. Nous avons vendu la planète comme un budget, mais en 30 secondes, nous avons fleuri quoi, ça, quand on va congoler. Parce que c'est étudiant. Toi, tu vois Obama quitter les États-Unis et la Grèce. Ou bien tu vois Macron quitter France à Kenotan à Portugal. Tu vois vraiment Macron a quitté France à Kenotan à Portugal. Non, je vois. Tu vois Obama à Sisi, Mamananaye, à Kenotan à Maroc. Ce qui va à l'université, la vie, c'est bien. Ici, à l'Uniki, il y a des étrangers qui étudient. À l'UCC, allez voir. Vous allez voir des étrangers qui étudient. Donc on appelle à l'UPC, il y a des étrangers. Donc on appelle Louis-France Kouziki. Toi, tu as tel un gabon. Pays embêté. Non. Louis-France n'a pas géré ses pays. Kabila n'est pas le fort. Kabila a géré ses pays pendant 18 ans. Azaki fait la politique, la projet sur l'enseignement supérieur et universitaire. Et à la fin de son mandat, comme il sait qu'il n'a rien fait. A qui autant en Afrique du Sud. Jusqu'à un certain moment, les Sud-Africains, beaucoup de Sud-Africains sont formés ici, à l'Unikin. Soit à Yébité. Tu sais qu'il y a fait Mbanza Boboma avant que Bakende exil, Kimeli par rapport à se retrouver dans la peau toutes les fois qu'il voit Kangunda. Bakenda ka exil. Parce que tu es des. Ozana Asbel. Parce que Ozana Asbel. Ta histoire est mauvaise. Tu vas comprendre. Pourquoi tu sais qu'il n'a pas se retrouver quand la poteau. Mansonge. Là, Tony Kankouchiko. So, Yébité. Ah, histoire. Toute histoire. Voilà. On continue. Bon, Namboka. Oui, oui. Et il ne maîtrise rien, même sur la question de sécurité. Dans ce moment-là, l'évaluation, il y a opération militaire entre UIPDF et FARDC, il faut pas bien fleurir. Oh, ça a été la guerre à pigeon, il y a beaucoup moins la saleté. Il faut pas bien gagner. Une question sensible. Je ne sais pas. Voilà, on continue. UPDF va opérer la Bounagana, tu vas opérer côté à et Beni et ainsi de suite. Et côté à on doit être sincère. Il faut saluer. Plusieurs fois, le chef d'état-major ici sur notre sol avec notre chef d'état-major en train d'évaluer. Pesa les macs. Tu n'es pas informé. Budget. Ozongi budget. Moi, je suis Maxime. Il faut ça la Floride passe. Batikamboko, on a budget à 4 milliards. Avec une mobilisation interne à 55%. 45% à l'étranger. Dernier budget à Chibala. 4 milliards. Tu sais qui est venu. Budget à Bissoto, on a 16 milliards. Faut aller dans le bureau de l'Assemblée nationale. Faut aller dans la reddition des comptes. Budget à Nézaki exécuté à 92%. À 92%. Toye l'élo na DJ Omama Soumino a présenté c'est environ 18 milliards. Oui. Avec beaucoup de particularités, na kati ya DJ Omama a déposé. Alanda qui même pas exposé nango, même débat nango Alanda. Alanda est autant à la téléphone. A zaki beaucoup plus. Autant à la téléphone. L'intervention est. Mon frère. Beaucoup de particularités, ce qui m'a tâté en pognon n'a pas fait. Vous voyez, il banda, notre mauvaise démocratie, au toko bunda, tout changer constitution, notre budget, 70% est à la toujours pour le fonctionnement de l'institution. Donc, plus de 70%, il y a budget, est à la loué pour la consommation. Batika qui a amené le budget à combien? 4 millions. Pas 4 millions, 400 000 dollars. Le quota. Je vous dis, même dans ce budget, vous allez voir l'année défense et sécurité, va jusqu'à 3 milliards. Avec ce budget, va matisser quand même. Mon solo pour l'investissement.
dans ce budget aujourd'hui, tu peux parler de l'investissement. On parle d'amélioration, on parle d'investissement, mais pas réellement. Tu peux m'appeler à nous, vous savez, évaluation. Budget est aligné. Budget est aligné. Budget est aligné. Budget est à mon soloté, Oyo. Mobilisation. C'est une prévision en recettes et en dépenses. Pour l'exercice 2024-2025, tu as recettes, il y a 18 milliards. Peut te dépenser 18 milliards. Et reparti là-bas, c'est bien déterminé. Au moins, il y a tant de vies autour de Bunda, tu as changé de constitution. Olandi Bob Kabamba, notre confrère, na yo Christian Lusakwen. A Konobama, là, on dit constitution, Oyoyo, tout ça, là, qui en gros, tenant compte, il y a battu, il y a la terre politique en présence. Moto, Azwa poste, va qualifier Congo comme les grands gâteaux. Où tout le monde devrait se retrouver dans cette question floride à calculer le débat, ce n'est pas sur la question. L'accordement frauduleux, il la thématique. Voilà, on a budget. Voilà, je suis très heureux. Voilà pourquoi le Congo a déjà la démocratie. Il fallait qu'un Congo ait un grand bateau avec tous les acteurs. Nous devons se retrouver et ces acteurs devraient être payés. Voilà pourquoi notre budget est que n'a pas plus n'a pas tout la consommation et rien ne nous dit déjà de pas la constitution. Ce qui nous a changé constitution de l'homme, cette population des institutions budgétivore. Et vous allez voir que eux qui ont la consommation et vous a moqué. Eux qui ont la pour l'investissement et pour la défense et sécurité et qu'on a la même. Non, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Non, il faut s'entendre quand même quelque chose. Partir de 4, 9, 16, on est à 18. Il faut attendre quelque chose. On parle de 16 milliards. Sur terrain. Va prévoir quand même une augmentation des salaires. La 4, tu pour les fonctionnaires, pour les enseignants. Pour les infirmiers, les médecins, $500 à Pam Bakutu. Et Zali Malem Malembe. Bah médecin Gouna. Et Koya. Tozana 18. On dit que Maman Soumina Kani pour 5 ans, tu mobilises que 90 milliards. Bah dans le développement rural, vous l'avez habillé. Bah Cotissi. Ministère de développement rural. Un groupe derrière. Un groupe, Bazoko t'a déjà, il y a la nouvelle, il y a la NU, il y a tout, Bazoko t'a déjà, Baza pris en compte. 30 mois, combien d'années? Bakoko t'a. Presque. Bakoko t'a. Yangouana, un bon contrôle parlementaire s'impose. Un bon contrôle parlementaire s'impose. Voilà, merci beaucoup. Il faut qu'il y ait rédévabilité, va surveiller la mobilisation et dépenses, il y a budget Oyo, et ça a vraiment orthodoxe, et ça a orienté dans le secteur. N'est-ce pas, Premier ministre, à Kani, nous sommes pour la vie de la population. Merci beaucoup, de vos questions, TBT, mais on va lire le message des uns et des autres, téléspectateurs, nos auditeurs, on va dire qu'on a vu ça de partout, et puis on va passer à autre chose. Regardez-moi. Bonjour de quoi MM Yebisa Floribea Enemi ba Frontakae ba Kimakaete José depuis la commune de Kinshasa. Bonjour Maxime Christian Temete me nazo tuna akoma nyonsolo tonini tuna et suite il y a retrait il y a militaire rwandais et Zali Wapi de ko Fabrice Ingange depuis la commune de Kinshasa. Bonjour MM, peuple Azali Natina ya koyoka ba chiffre miné ne ya pamba pamba ya budgeté. Que demande le peuple? Juste partage équitable ya richesse, ya mboka union sacrée, bazami tema mabe loko la diabolo. Ndeko Selima tout le monde depuis la commune de Lingwala. Bonjour MM, félicitations à Christian Temete mais pour le recadrage et sa belle analyse pour la rencontre des deux chefs d'État à l'Ouganda, mais quand vous soutenez les actions de vice-gouverneur, il faut lui rappeler aussi que les agents de la ville ne sont pas encore payés. Ça fait 2 mois, à part les arriérés de ses prédécesseurs. La semaine prochaine sera les sit-in contre leur gestion. Gaylor Landou, depuis la commune de Bumbu. Bonjour, Ndeko Maxime, changement à la constitution, ils allaient priorité T, dans le deuxième mandat, Oyo Liboso,
Balubaki FCC ils allaient bloquer Touroyo beaucoup mis du sous constitution ils allaient bloquer les problèmes ils allaient vie sociale il y a peuple congolais il y a vous des allaient priorités. Bonjour MM, que le budget soit recevable à l'Assemblée nationale, les opposants aînés comme Flori Béa diront que c'est un non-événement. Maxime dit à Flori Béa que même l'université est surprise que Kabila prépare une thèse. Kokamwa, de Guillaume Makunzi depuis Djili. Bonjour de Maxime, Yebisa Béa, Azala, élégant. Atika Kobeta Libanda, complexe à Libosu, Zaline, Yepona, Joseph Kabila. Moussousou Azalite, Tunaï, Azalaka, incapable, tout Ndengenini. Oh, ils avaient complexe T. Bonjour Maxime, dites à votre invité Christian, il y a un temps pour la diplomatie, un autre temps pour faire la guerre. Temete, mais n'est pas un bon communicateur selon moi. Monsieur Moulumba, depuis quelque part. Bonjour Ndoko Maxime, Yebisa Temete Menjoka. Azalaka Moutoua IDPS, les amis Mawa, Kouzoua, Moussala, Pété, na IDPS, et comment Mibale, na Kabouya, Kabouya, na Deo Bizibou, désordre de Koti Kouna Makassi. Flori Béa, Omoni Bato, Ba Kabilaka, Ba Kabilaka, Bomengo, Ba Lukelaka, Bino. On va dire bonjour MM. Si nous parlons aujourd'hui des problèmes. C'est l'homme congolais parce que ce n'est pas normal un Congolais qui souhaite toujours le mal pour sa nation, qui joue le même rôle que Nanga. Mais ici à Kinshasa, c'est que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, c'est la sagesse pour coincer tous nos ennemis. Vraiment, c'est une bonne stratégie parce que nous tous, nous savons que les Occidentaux sont à la base de rébellion. Oui, Zalina Est, Yamboka, Nabiso, Ndeko Serge, Mobito, depuis quelque part à Kinshasa. Bonjour Ndeko Maxime, Koutana, président Fachina Museveni, Zalima Bete, Ezalaka, Bato, Bazali, Simaya, M23, ABCC, Bazo, Banga, Vérité, Eko, Bima. Papa Matondo, depuis la commune de Monga Fula. Voilà. Ah, c'était là, moment à téléspectateurs. On va prendre le standard à vive voix. Ça sera la deuxième partie avec notre frère Bonner Ndinga pour la deuxième partie. De Flori Béa aussi, du coup, Kabaimboka va retenir Nini. En gros, Namaso, au-dessus du Kolo Banatongo, il y a Lelo. Oui, je ne pense pas que Ndeko Nanga Temete va revenir sur les études de Joseph Kabila. Parce que Constitution a mis son article 45, premier alinéa, balobi, l'enseignement est libre. Où? Et ça est libre. Où? Balobi libre, point, yo, zo, tout, nanga, où? La Constitution, c'est d'Afrique. Donc, on va la bâtir, ça m'a yé, le nanga, l'icône, y'a, oh, Constitution, lobby. Non, mais et ça n'a pas de sens. Allez, vous interprétez. Deuxième élément, est-ce que yo, vous pouvez s'en mettre à disposition? Constitutionnel ou est lobby que non, il faut 75% de budget en bout cannabis et qu'il y a une institution. C'est ce que tu as dit. Mais yoga ce que dit la Constitution dans son article 58. Premier alinéa, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Deuxième alinéa, l'État a le devoir de les distribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Et ça, il faut expliquer à Ouate que tu as dit que tu as changé la constitution Nabiso, parce que la constitution Nabiso le dit, budget en bon cannabis, il faut 75% et va la allouer dans l'institution. Mensonge. N'a quitté rapidement. Et n'a pas chité. A l'obi sous Joseph Kabila, Arbe Nabiso est à la Kina 400 000 dollars pour Bapandego chaque année. Mais il y a ce qu'on chaque année, oh, il y a 400 000 dollars, parce que c'est ce qu'il a dit, il a accordé, en gros, parce qu'il a le coût. Dans 400 000, oh, il y a un budget, il y a Arbe Nabiso. Mais on a mené des opérations avec succès. Opération Louenzoli. Opération Umoja Wetu. S'il vous plaît, faut pas amener dans ça. Je t'ai dit, tu es journaliste, tu es bien investigation. S'il vous plaît, Maxime, s'il vous plaît.
On a mené des opérations avec succès. Même les militaires seront fâchés contre toi. Oh, non, parce que tu donnes l'impression comme si ma militaire n'abisso, babanègre ça les logoté. Opération Roesori, opération Umojawetu, opération Pomme Orange. Pomme Orange. Oui. Opération Soukola 1, non opération Soukola 2. Mais maintenant, Bino, bateau de tchè 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Bon, il s'agit d'opération militaire au Bino Boussali. Voilà, merci. Donc c'est à dire que je préfère mieux il faut pas le budget. La mitié wana au lobby. Merci beaucoup, Ndeko Christian et Ndeko Floribéa, Ndeko Christian te mettez mes dessous qui s'y n'a eu, Moro jamais, il ne faut pas nous intimider. Oui. Floribéa, calamité, non, pé qui saute, c'est la constitution. Oh, yo, pé qui s'en a pour Yozan. Aux autres confondent la constitution à lettre d'amour. Yozanani. Pour pé qui s'en a des analyses palpables. Est-ce que ça me fait Malembe, malembe. Depuis Kabila, qui est l'eau, qui ne sait pas que le 70%. Il n'y a pas de budget dans le budget pour le fonctionnement des institutions. Mensonge. Qui ne laissait pas? Mensonge. Qui ne laissait pas? On parle des institutions budgétivores. Des budgétivores, on en parle. On parle même de la réduction des prêts de vie à l'institution, Florie. On l'a répondu, Tony. Il y a un peu de niveau Changele. Florie a dit la Kabilaté. Je vous dis la vérité. L'opération Nino sur la Sali. C'est qu'à comédie. Et maintenant, qui connaît ce que Kabila? Conclusion, signature, accord à 23 mars. Début de l'émission M23. Nous avons tout ce qui est dans notre style. Au moins, il y a un budget à 400 000 dollars. Il y a un budget qui est une nouvelle génération qui a un cabinet. Même drone. À la réunion, il y a tous les drones. Mensonge. Faisons confiance la chef de l'État, l'ex-tatouan Tshisekedi Tshilombo, Moukantombolo. Avec lui, le Congo d'aujourd'hui sera différent du Congo d'hier. Il n'y aura pas des accords éco-créés par M23. Il n'y en aura pas. Sous Félix Tshisekedi, il y aura la paix. Il y aura la paix, rien que la paix. Six ans, le développement. Six ans. Malembe. Vous communiquez pour le président de la République. On a versé son salaire de 2000. On a eu le salaire de 2000. Vous avez le salaire de 2000. On a eu le salaire. Donc, je vous avais à m'abogérer pour garder qui m'est au quota. S'il vous plaît, Malembe. Au moins, donc Félix Tshisekedi n'est pas président selon tes analyses. La paix c'est un processus. Fidèle spectateur à Canal Congo. 6 ans. Rendez-vous 6 ans. Twitter, la seule et l'unique émission. Oh, nous avons pour la TV Naïna Banjirou, Bazani Kolanda, ceux qui rendez-vous ici, la Kangi TV Naïna, parce que le Kokota les années sous-souté. J'espère que vous bénéficiez de la réflexion pointue de nos invités. Une émission réalisée par Moro Njambe, Georges Libenge, Marité Goudé, à la prise de vue, José Andia Naweb, Rodrigue, oh, Irma Kanyema, Cerveau Bleu. À la radio, on se retrouve, Doudou Motiri à la production, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre débat. Tout le bilambo, Kanabiso, dans rendez-vous du tour, de Trenimalamou, Namabota Nabino, bon, en début de week-end chez vous. Au revoir.